L'évaluation de littératie français langue première évalue votre capacité à comprendre une variété de textes et à communiquer, à l'écrit et à l'oral, de manière critique et créative. L'évaluation a deux composantes, la composante écrite et la composante orale. La composante écrite de l'évaluation est composée des parties A et B. Tous les élèves complètent la même partie A. Pour la partie B, les élèves ont le choix entre deux parcours, le monde de l'information et le monde de l'expression. Pour la composante écrite, il vous faut un ordinateur et des écouteurs. N'oubliez pas de les tester avant le jour de l'évaluation. La composante orale de l'évaluation est composée de trois parties différentes. Pour la composante orale, il vous faut un ordinateur, des écouteurs, un microphone, du papier et un crayon pour prendre des notes. Chaque évaluation de littératie est centrée sur une question essentielle. Lorsque vous commencerez l'évaluation, vous verrez la question essentielle pour la première fois. La question essentielle fournit le contexte, fait le lien entre toutes les parties de l'évaluation et aide à stimuler votre réflexion. Cette question essentielle fournit le contexte de cette évaluation dans son ensemble. Cette évaluation sera donc centrée sur le voyage. En plus de la question essentielle, il existe des sous-questions pour chaque partie de l'évaluation. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez visionner les autres vidéos de la série.